Bonjour, bonjour, vous, là, toi là, toi, toi, oui, oui, toi là, oui, c'est ça, non, pas toi, lui à côté là, voilà, très bien, salut. Bon, alors aujourd'hui, petite session de tournage, avec deux armes aussi éloignées l'une de l'autre qu'on puisse globalement se faire. Alors cette semaine, on va tester un truc bien pérave, le clone GSG du MP5. Alors c'est marrant parce que GSG, j'ai l'impression sincèrement que c'est le palace de la catégorie B. Donc ce clone est en semi-auto et en 22LR. Alors, déjà, ne pas se laisser avoir par ça. Ça c'est comme chez Palace pour la BA1522, c'est un faux. Voilà, ça c'est un manchon de canon en fait, qui ressemble à un modérateur de son, mais non. C'est bien pour ça que je vais être obligé de me taper mon petit casque. Voilà, voilà. Alors aujourd'hui, je vais tirer de la Remington Golden Bullet. On sait tous, vous savez, je sais désormais que la Golden Bullet ne convient quasiment à aucun flingue. On va essayer quand même, hein, on verra bien. En revanche, ne m'en veuillez pas, mais même moi, j'ai quand même des limites à la résistance, à la douleur. C'est pour ça que je suis en train, avec un système D formidable, puisque je ne retrouve pas mon tournevis, je vais enlever cette cochonnerie de rail avec cette cochonnerie de lunettes montée dessus, parce que j'ai pas l'intention de me faire avoir par une lunette qui, dont je sais très bien qu'elle est mal réglée. Il faut pas exagérer. Voilà, en version classique, c'est dégueu. Alors, il n'y a pas de... Ah si. Ah si, 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 si. Il y a un œilleton. Ah ouais, si, si. Alors, c'est marrant parce qu'ils ont... Il y a un cran de hausse, là. Tout pérave. Et le reste, c'est à peu près comme le... Comme le vrai, sauf que c'est mal branlé, quoi. Bon, ok, j'adore. Alors, chargeur, ouais, il a l'air pratique. C'est marrant parce que ça me rappelle un peu trop la BA1522 pour que je sois parfaitement, parfaitement à l'aise. D'ailleurs, elle reviendra bientôt, la BA1522. Putain, oh non. Le même défaut. Ce chargeur a le même défaut que la 1522, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de petite saloperie de contrefort en plastique qui vient, en fait, attraper théoriquement le bourrelet de la 22LR. Le problème, c'est que pour alimenter, c'est de la merde. Ah, GSG, je sens que je vais kiffer. Alors oui, on m'a fait remarquer, on m'a beaucoup fait remarquer d'ailleurs, que le Six Hour 1911-22 était aussi une fabrication GSG, sauf que bah, je suppose que SIG a dû freiner des cas de fer pour que ce soit pas trop pourri non plus. Alors c'est un chargeur de 22 apparemment. Là, j'en ai mis 10 ou 11, je me souviens plus. Ça tient. Là, allez, on va tester ça. Oh putain, qu'est-ce qu'on est mal dessus. Sélecteur absolument... Non mais attendez, regardez. Sélecteur absolument impossible à choper sans déchausser sa main. Oh là là. Oh la queue détentée pourrie. Ouais. Waouh. Alors je peux pas vous dire que ce soit bon. Ça groupe pas trop mal. Franchement, la visée est pas excessivement complexe.
Mais c'est lourd déjà. Putain, qu'est-ce que c'est lourd pour un flingue tout en plastoc, bordel. Ouais, la queue détentée immonde. C'est même plus que ça gratte, c'est que ça accroche là à ce niveau-là. Voilà, puis alors ce chargeur est pourri, mais pourri, mais pourri, Seigneur. Bon après, je dis pas, hein, pour se marrer, c'est. Ouais, ça a l'air bien. Voilà, donc là, on est dans le cas. Dieu merci! Dieu merci, j'avais prévu le coup, je sais comment on fait désormais. Donc là, j'ai un chargeur qui est approvisionné, hein, comme vous pouvez le voir. Mais, j'essaie de reculer ma culasse pour la déverrouiller et catchy! Catchy, catchy. Alors, je vous donne l'astuce pour les propriétaires de GLG. Bon, ça, je suis bien vide. En fait, tout au fond, quand vous regardez la fenêtre d'éjection, tout au fond, vous avez dans un rail une toute petite pièce en biseau. Et en fait, il faut appuyer dessus. Et c'est merdique, quoi. Voilà. C'est manifestement l'arrêtoir de culasse, sauf que bah théoriquement, si c'était bien foutu, il est censé interagir avec le chargeur. Et quand le chargeur est plein, comme maintenant, et bah, il n'est pas censé se mettre en route. Alors attendez, on va essayer à gauche. Ouah. Ouah. Oh putain. Wouh. Voilà, que de détente. Attendez, j'y vois plus rien là dans cette hausse de merde là. Oh, c'est lourd, mais qu'est-ce que c'est lourd, putain. Je dis pas que c'est intrinsèquement mauvais, ça fonctionne, même si il y a des putains de défauts. C'est saoulant qu'on puisse pas mettre un RDS. Bon, enfin, je suppose qu'on peut peut-être en mettre un, je sais pas, c'est peut-être un autre en bout comme d'habitude. À 100 balles à acheter à côté, mais putain, c'est saoulant, quoi, c'est saoulant, c'est saoulant. Qu'est-ce que c'est saoulant? Ah, puis alors ça aussi, c'est saoulant, putain. Oh! Allez, un peu de tir rapide, vite fait. Et puis on remballe. Waouh. Waouh, putain, qu'est-ce qu'on est mal dessus? Qu'est-ce que j'ai dit, un peu de tir rapide? Je dis pas que ça groupe mal. Enfin, c'est quand même bien pérave. Hein. C'est quand même très très pérave. Puis alors, ce coup d'arrêtoir là, mais bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu. Mais... C'est sûr qu'il n'y a pas moyen de le commander autrement? Bon, bah écoutez. Ouais, c'est marrant pour du plinking, mais enfin, à moins d'être fan, parce que c'est vrai qu'on peut être fan du. Je suppose qu'il n'y a pas moyen de le désarmer. Attendez, donc là j'ai chargeur vide. Ah si, 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 il y a quand même moyen de le désarmer. On recule un peu la culasse et on appuie, ça évite d'exploser le percuteur. Ça c'est cool, ça c'est bien franchement. Mais à moins d'être fan du MP5, perso je claque pas une baie là-dessus, oui. Chacun son truc. Bon allez, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures un tout petit peu meilleures. Ciao!